C'est ouf le retour que j'ai quand même. Ouais, on va faire du... un peu de grand blue. J'ai envie de ma dose de versus après la dose de rythme et de rétro. Hein. Bon bah lui, il dégage. Comment on fait? Hop, ça dégage. C'est les autobots à la con qui messent automatiquement comme ça, on n'en veut pas. Hein. Hop. Ouais, j'avais vu qu'il était sorti Grand Blue Running, mais... Ah, oh, ça m'intéresse pas, moi, c'est trop Monster Hunter-like. Bon, alors déjà, avant de commencer les hostilités, je vais te montrer mon perso. Là du coup c'est trop bien parce que j'ai Siegfried. On sait qu'il est bien le perso très fort. Alors, je vais te montrer atout, avantage du perso que je joue. Ouais, Vise of Mana, ça a l'air trop bien. Alors tu vois, mon perso. En plus il a son thème, il est trop beau, mais enfin bref. Alors en gros. Je te montre ses coups. Il y a ça comme un Hadouken. Après, il y a la version lente. Ça, c'est trop pété. Parce que ça entière et ça fait plusieurs hits dans un bloc. C'est-à-dire que quand là tu protèges, en fait, je peux courir vers lui et faire une. Et l'embrouiller quoi. La version X. Bon, ça. En vrai, celle-là, elle est mieux. Que la version EX, mais la version EX en fait elle permet de faire des combos genre ça tu vois. Attends, voilà, genre voilà, ça sert vraiment à faire des combos comme je t'ai montré. Après il y a ça, tu peux le charger aussi. 2200 dégâts si je le charge, 2420. Ça, c'est si le mec il se dit, allez putain, je vais esquiver. Après, tu recommences. Tu le charges, il esquive, il rate son timing quoi. Et alors, son EX. Chargeable et combotable. Et qui arrache aussi. Après, sa balayette, c'est ça, c'est un double hit. Tu sais, c'est comme Guile quoi. Ou Tiog dans Street Fighter, c'est pareil. Bonne portée, mais c'est lent le deuxième coup. Hein. Sur le premier coup, il met pas au sol. Après le farage il est trop bien. Regarde la portée de bâtard quoi. Ça c'est abusé hein. Super coup ça hein. Après en entière il a ça. Oh, ça anti cross up en plus, c'est trop fort. Ça c'est un coup moyen mais il va loin. Ça c'est un low. Ah, pourquoi c'est pas écrit? Ça c'est moyen mais ça c'est bas. Ah voilà c'est marqué en bas. Voilà tout en bas de ses pieds, rien de bas. Voilà. Ça, le deuxième hit, c'est un bas. Ah, le premier hit, c'est un bas aussi, ça. Mais c'est le deuxième hit qui met au sol. Ensuite, il a ça. Et là, il a une stance, tu vois. Quand je fais le coup là, après, j'ai une stance, tu vois. Quand il met son épée derrière l'épaule. À partir de là, je peux faire pari. Donc là, si la titane, ça fait counter. Je peux faire chop. Et je peux faire ça. Souvent c'est pour continuer le combo ça. Et ça en entière. Et si tu as la version ultimate, ça me fait un corner carry. Comme Maxima dans King of Fighters. Après, si je fais ça en version ultimate,
Ça, c'est armor et imbloquable. Ensuite, j'ai la version ultimate de l'ado. Ça, en général, je le fais pour tuer au grattage. Voilà. Ou vers la fin de la round. Et ensuite, il a Dragon Punch, quoi. Ça, c'est la version normale. Ça, c'est la version invincible. Et la version EX. Voilà, donc ça, c'est un peu Shoryuken, quoi. C'est pareil. Et du coup, le coup spécial de Siegfried, c'est ça. Tu vois, je sacrifie de la vie, et là, j'ai une barre de puissance 1. Et là, je augmente mes dégâts de 10%. Je peux passer en 2. Là, j'augmente de 20%. Et je peux passer en 3. Et là, j'augmente de 40 ou 50. Hein. Et le but, en fait, c'est genre, tu places en combo, tu vois. Mais faut faire gaffe parce que quand c'est parti, quoi. Mais si t'es au niveau 3, regarde les carreaux que tu mets, quoi. Tu mets des dégâts de ouf, hein. Au niveau 3. Ah ouais, là, là tu mets 3 quarts de vie, quoi. Au niveau 3, hein. 10 400 dégâts. Ça veut rien dire. Enfin, t'as vu les carreaux qu'il met, quoi. Tu peux voler des... Tu peux voler vraiment des rounds comme ça. Oh là, les dégâts que ça va faire, ça. Au niveau 3. Ah ouais, c'est Siegfried après. Hein. Donc en gros, ses points faibles, c'est ça, il a une bonne range. Son point faible, c'est qu'il a pas d'overhead. De casse-garde basse sur le neutral. Et sa mobilité, elle est vraiment bah, ridicule, quoi. Hein. C'est un des persos les plus lents du jeu. Mais à part ça, il a une super portée, il met des... Et il met des carreaux de ouf, hein. Tu vois, je peux faire le combo, ou alors, je peux mettre ma stance, il se relève, je fais un pari, quoi. Ou alors, une chope, tu vois. C'est moi qui choisis, quoi. Ah, cette version-là, elle est vraiment forte, hein. Parce que t'as le temps de bourrer derrière l'autre, quoi. Voilà en gros comment ça se joue, quoi. Après je connais pas mes combos petits avec le perso et tout, hein, mais bon voilà. On s'en fout un peu. On verra plus tard. Hein. Après je sais pas si tu auras du monde à cette heure-là. On verra bien. Ouais, le jeu est récent donc il y a quand même du monde. T'as le jeu. Puis après pour Link, ouais. J'ai regardé un ami de mon dojo jouer. Ah putain, je me tape un match-up de merde. J'ai regardé mon ami jouer sur le Link et ouais, ça me plaît pas. Là je t'avoue j'ai pas un bon match-up, hein. On va essayer de le voler. Ok. Battle 2 engage.
Merde! Je pensais pas que ça touchait. Ah, comment je l'ai mindé! Oh yeah! Tiens, dans ta gueule. La chope, bien sûr. Boum. Ah, il connaît, t'as vu, il est esquivé. Merde. Je t'avais dit, hein. La version ultimate de la lame de feu, ça bouffe tout. Pour surprendre et gagner un match, c'est trop fort. Ah, je l'ai buté, hein. Match très serré, d'ailleurs. Hein. Il joue bien, Folka. Ah, il connaît mes arnaques, hein. Bon, il est mort, là. Là, ciseau, il va prendre cher. Hein. Il est peut-être mort. Il va peut-être crever. Ou alors, rien. Il avait plus de bref point, puis j'avais un power-up. Perso du vol, hein, quand même. T'as vu le carreau qui te met, le perso, s'il est power-up avec son super. Surtout que là, tu avais plus de brave point, alors là, je te dis pas. Le coup, il a dû lui mettre 8000 dans la tronche. Hein. En plus, le Terra, elle a pas beaucoup dit. Si je gagne encore un coup, on va être dans les ranks S, ça va être des bastons de ouf. Hein. Here begins Fate's episode. Siegfried versus Meterra. C'est la même? Non, c'est pas la même. Putain, les Meterra, il n'y en a pas beaucoup normalement. Pas beaucoup de balles, hein. Ouais, tant pis, hein. Et c'est pas le même joueur, hein. Oula. Le veiller patienter, ça pue, hein. Ça risque de laguer.
Ouais, c'est pas du tout le même, hein. Et il est à 1. Ah, lui, il a dû gérer. Oh, j'ai pas peur, en vrai, hein. Ah, il connaît les arnaques aussi. Lui. Oh yes. Juste pour le flex. Ouais, c'est écrit dans Skybur, ouais, c'est un peu le même genre, ouais. Ah, le bâtard, il y a rage kit. Ouais, il y a rage kit, tu vois. Ouais, il a rage kit pour pas perdre. Il y a des gens comme ça. Et comme ça, je suis pas S. Alors que j'avais gagné. Alors qu'il joue un perso d'arnaque aussi, hein. Ça, c'est à clipper, hein. Déjà que j'ai pas eu de bol de me taper deux météras, je me tape encore en plus la poisse d'un rage quitter. C'est pas ouf, hein. Et maintenant il y a foutu le bordel dans mon matchmaking. Here begins Fate's episode. Bah le mec il était à 1. Donc si tu veux mon avis, il voulait passer S comme moi, tu vois. Et ça l'a fait rager de pas passer S à cause de moi. C'est tout. Mais c'est de la merde, parce que même si tu passes S, après si tu repères et tu repasses A. Hein. Oula, c'est pas bien flippé, hein. Parce que j'ai gaspillé un brave point pour rien, là. T'as vu la divinité de la lame de feu là. Hop, on change de coin. Quand même les tarts qui te met ses frites, ça a abusé, hein. J'aime bien les persos qui cognent fort, moi. J'aime bien les persos lents et qui cognent fort, moi. Les persos peu agiles, tu vois, mais qui doivent patienter, saisir l'opportunité de te mettre un carreau des enfers, quoi. Voilà, je suis niveau 2. S'il s'ouvre, il prend cher, tu vois. Ok. L'anti-arc. Ah merde, trop loin. Ouais. Ouais, j'ai pris de pif, ouais. Ça m'arrive d'en prendre. Ouais, il y a eu de la chance, là. Merde. On va le corner carry. Oh non. Mmh.
Ah merde, ça banquière. Ouh, ça se joue rien. Merde. Oh la choc qu'il a eu. Putain, j'ai pas une bol là, franchement. Putain. Après Catalina, je suis à jouer aussi un peu. J'aime bien. Je peux passer S avec aussi. Hein. Bah je suis déjà, je crois même. Ah ouais. Bien joué ça. Ouais, mon dragon il était un peu trop cramé. Hein. Ah, je joue mal là, putain. Ah ouais, comme ça lui. Ah merde, putain. Je savais plus qu'elle faisait un plongée. Parce que là, je punissais. Hein. Je pouvais lui mettre la moitié de vie là. Ouais, tant pis. Là, j'avais une situation de comeback. Putain, elle méconnaît les japonaises des armes de l'Europe, mais c'est la fantaisie, ça. Putain, ça me fait toujours rire, les depuis de mesurer dans les animes. Ouais, grave. Bah, je commençais à lire le manga pour voir de quoi ça parlait un peu le jeu, quoi. Et sinon, pour revenir à Relink, pourquoi j'y jouerais pas? Bah, tout simplement parce que ça me fait penser à Genshin Impact. Et niveau les décors, tout ça, les persos. Et Genshin Impact, j'ai plus envie d'y jouer. C'est un peu TSD, ça m'énerve. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, même le gameplay, tu vois, ça fait assez Genshin aussi. Hein. T'as un combo par perso qui est très différent, avec des éléments pour chacun et une attaque spéciale. Donc, déjà, ça. Ensuite, deuxième chose, c'est que c'est plus proche d'un Monster Hunter que d'un vrai BTA. Donc à cause de ça, ben moi j'aime pas. Parce que moi les Monster Hunter j'aime pas. Et je trouve que ça ressemble trop à Monster Hunter. Et Monster Hunter, moi c'est pas un type de jeu que j'aime bien. Et en fait t'as une trame, c'est un Monster Hunter avec un hub, tout ça, avec des quêtes annexes et tout, où tu fais des fights. Donc ça ressemble beaucoup à Monster Hunter de ce niveau là, tu vois. Et tu fais, mais t'as quand même une trame narrative normale. Après paraît que le jeu est craqué, qu'il y a eu 7 ans de développement, tout ça. Puis que t'as plein de histoires parallèles et tout, mais bon là... c'est vraiment pour les hardcore qu'ils ont signé la série avec le gacha de base quoi. D'ailleurs, tu sais, le jeu, il s'appelle Grand Blue Fantasy. Et l'héros principal, c'est Gran. Mais t'as Zita aussi. Et Zita, ça vient de Tazi. À l'envers. Dans Grand Blue Fantasy. Et en fait, Zita, c'est la même personne que Gran. Mais dans une timeline différente. Voilà, en gros. Et c'est une histoire un peu à la Skyward of Arcadia, en fait. Hein, de ce que j'ai lu un peu. J'ai lu les deux premiers tomes en fait. Et dans les deux premiers tomes, en fait, ça, leur monde en fait, il est un peu pourri, tu vois, un peu à la Hokuto no Ken. Il y a un empire qui casse les couilles, qui va imposer sa domination partout. Un peu comme à la Hokuto no Ken, non? Sauf qu'il y a une ambiance post-apocalyptique, t'as une ambiance féerie. Mais leur monde est vraiment pourri. Hein.
Et en fait, la Terre, elle n'existe pas, quoi. C'est que des îles flottantes un peu partout. Et Gran, en fait, c'est un jeune aventurier qui rêve de voir le ciel, de parcourir le ciel, tout ça. Puis un beau jour, il va sauver une fille. La meuf en bleu, là, qui est avec lui quand il invoque Bahamut. Il va la sauver. Et il va apprendre qu'elle est poursuivie par l'Empire, justement. Et l'Empire, elle veut mettre la main sur elle parce que elle, c'est une. Je sais plus quoi. Donc en gros, elle a le pouvoir de communiquer avec les esprits spirituels, je sais pas quoi. Et bah dans une baston, en fait, Gran, il va crever. Et la meuf, elle s'appelle Lyria. Lyria, elle va se lier à lui, en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours deux. Elle va se lier à lui. C'est un commandant. La même main après. Et du coup, Gran, il va être important parce qu'il va être lié à Lyria, justement. Et Lyria, elle a offert son lien à lui parce que, justement, Gran a sacrifié sa vie pour la sauver. Donc elle va faire de même, en fait. Et après, ben, ils vont être deux en un, quoi. Et c'est pour ça qu'après, ils vont être capables d'invoquer des créatures, tout ça, voilà. Et justement, ils croisent la route de Catalina. Catalina, c'est une meuf de l'Empire, mais elle a traité, mais elle a trahi l'Empire parce qu'elle aimait pas, elle aimait pas leur, bah leur comportement, quoi. Et j'en sais pas plus. Et les autres persos, je les ai pas vus, hein. C'est des persos qui sont pas jouables dans le jeu, donc. Ah, il y a le petit chat aussi qui est avec Vian, qui est avec Gran, on sait pas pourquoi. Bon, je sais pas pourquoi ça a bugué là, mais. Ship, bah apparemment c'est pas ship, hein. C'est juste parce que j'ai eu les deux premiers tomes et que c'est le début, quoi, c'est l'intro. Mais je t'avoue que dans le manga, deux pages il se passe un truc, hein. Et deux pages après ça parle d'un autre truc. Dragon Quest, mana. Moi je préfère les manas quand même. Tales of, y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Dragon Quest, c'est trop long. Est trop lent pour moi. Easy et bateau volant, ouais, ça fait Skies, ouais. Parce qu'après ils atterrissent sur, ils atterrissent sur une île. Parce que Catalina, elle a un vaisseau, mais elle sait pas le contrôler, elle se crash sur une nouvelle île et là ils cherchent un timonier. Et le mec du timonier, voilà. T'as par contre une mauvaise idée de stream du Versus Star là parce qu'on a plus personne. Bon, on va mettre en combat libre. Hein. Et voilà. Et du coup, ben. Histoire classique de Shonen, hein, avec le gars. Here begins Fate's episode. T'as tu vois, en enquête là, on galère, moi. Charlotte versus Siegfried. T'as 3000 combats, le gars. Il y a des bons animes, bien sûr, ouais. Mignon quand même, éduqué. Ah, ça lag de ouf! Ouais, ça va pas du tout là. Ouais, les opins sont partis se coucher, tu vois. Hey! C'est une Arvin, Charlotte. C'est une race de nains, quoi, dans leur monde, quoi. Et apparemment, elle est quand même âgée, hein, là, genre 22, 23 ans. Y'a plus moyen d'avoir un match là.
Ouais, y a plus de repères à cette heure-là, tu vois. Puis c'est dimanche, donc ça craint. Ah ouais, même zone. Pourquoi ça marche pas alors? Ah, si c'est taux élevé, j'aurais personne. Here begins Fate's episode. Ah mais j'aurais bien une connexion. Tout à l'heure les combats ils allaient bien donc Oh putain. Pas cette salope. Oh, regarde, j'ai mis en titre Stop playing Narmaya. Parce que j'en ai marre de voir des gens de Narmaya. Believe in victory. Ah, y'a mon thème. J'ai même pas envie de bien jouer quand je joue à ce perso de merde. Vas-y, Narmaya, je respecte pas. Il lag aussi le bâtard. Hein. Non, je supporte pas. Pourtant, c'est pas un pire match-up, mais voilà quoi. Tout le monde joue tout le temps les mêmes persos, quoi. C'est chiant. Oh mais lui il a de ouf hein, putain. Ah, il connaît les arnaques en plus. Ça lag trop. Hein. Je rematch pas un match qui lag comme ça. Hein. Après, je me demande si c'est pas Mako qui fait de la merde. Hein. Que j'aime bien que je suis bien dans la nom, ça c'était Xiao. Je connais pas, je suis à deux noms. Bah je pense pas que je vais pouvoir continuer à streamer le jeu. Hein. Là on a trop de mal à trouver un combat qui marche bien. Grand Blue Elastic Zile, ouais. Je connais pas. Ouais, Zelda, ouais, je sais. Dans les derniers, ouais. Bah, Grand Blue, en fait, c'est que ça. Ils vivent dans un monde où il y a que des îles flottantes. Ouais, s'il y a personne. Allez, dans le lobby, hein. En Europe, y a pas grand monde. Hein. Ils sont partis se coucher, c'est normal. Ouais, easy flottante. Après, c'est déjà vu et revu, ça, tu vois. Dans Skies, y en a. Dans Grand Stream, y en a. En d'autres RP, j'en ai vu aussi, je sais plus comment il s'appelle. Quelques RPG PC.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend une match là? Ouais, ça a pas l'air. Hein. On va voir si ça se fight. Non. Les gars sont en pause. Toi, vas-y, viens, toi. Des couche-tôt, ouais. Y'en a qui se pointent, hein. On va essayer de jouer là. Ah, il joue en slot en plus. C'est bon ça. Je l'ai monté S aussi lui. Ouais, Paul Ward. J'ai du mal avec Paul Ward, non? Je suis pas fan du jeu, hein, franchement. Je suis pas fan en fait du concept. Je sais que c'est un jeu qui me ferait pas plaisir, quoi. Voilà, un peu moins lui. Ah, il crame tout comme ça. Là je touche, c'est mort, hein. Voilà. Hey, le petit punch. Merde. La bonne balayette là qui met bien. Il y a un peu de lag contre lui, hein. Bouf. Ouais, mais je l'ai fait à compte portée aussi. Ouais, il y a une énorme épée, hein.
Portée déco est excellente sur le perso. Il a de super anti-air, en plus il a un coup invincible, donc ça a mon perso. Hein. Bah, Excalibur, après c'est une autre école. Hein. Ouais, ça l'a gouillé après compris. Hein. Est-ce que ça va fight contre moi là? Ah putain, c'est une armoria, fais chier. Hein. Ah le mec c'est peut-être un Jap hein. Qu'est-ce qu'il fout sur un serveur européen? Ça va laguer de ouf hein. Qu'est-ce que j'en ai marre des Nermaya? Il a gauché lui hein. Après s'il y a du Japon c'est normal hein. Il déchoppe tout. Trois déchoppes hein. Hey ya. Ah ouais. Allez, ça dégage. Ah merde, j'ai raté mon combo. Ah putain, c'est bon ça. Le truc improbable. Ce comeback m'empêche. Ah là, il est pas bien. On va 7 en 3, allez. Dommage. Battle 3. Engage.
À la feinte, à la passée. Ah mais je connais par cœur Narmaya. Hein. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ah le vol. Oh. Allez, on tire. Ouf. Failli me faire voler. Tout. Ça fait du bien de taper des Narmaya et de gagner. Ouais, en fait, fallait inverser sa garde et tout. Elle a des schnapseries. Mais... Je connais tellement par cœur les gens de Narmaya que. Il n'y a pas resté à me percer la garde. Putain, il veut rejouer, hein. Oh, vas-y, hein. Je vois personne qui joue à part lui. Tu vois, c'est ça le problème des joueurs de Narmaya. Regarde les badges qu'il met et tout. Il met full Narmaya, quoi. C'est tout le temps pareil. Les gens qui adorent Narmaya, c'est des... J'ai l'impression qu'ils adulent le perso comme jamais, quoi. Y'a pas ça pour les autres persos, tu vois. Et c'est chiant d'affronter tout le temps le même, quoi. Fou. Il est ambitieux, celui-là. Il va super au bout d'un moment. Il a peur de ma super. Hein. Oh le bâtard. N'importe quoi. Il reste un PV. Hein. Si ça tue pas la grade dans le jeu. Il est resté vraiment un PV. Tu tues à la grade que quand il y a un PV. Oh. Ah, ce combo de l'enfer. Je vais lui refaire le coup. Oh, le bâtard. Putain, il esquive en changeant de côté, quoi. Je vais prendre le coin avec ça. Hop. Pif. Bah non. Oh, j'ai mouru. J'avais plus de bras de poing pour contrer. Parce que je les ai gaspillés dans mon combo. Ouais, il y a une dimension stratégique, hein. Labourance. Il était beau le combo, hein. Hop là. Là, j'avais des ressources, j'ai tout mis, quoi.
Si tu veux prendre le round, faut jamais hésiter. Hein. Mais sinon, faut pas faire ce que j'ai fait si tu ne le tues pas, tu vois. On va essayer de voler. 1, 2, 3. Ouais, j'ai avec un PV, c'était chaud. J'ai essayé de voler, hein. Hey. Bien joué un tir là. Ah mon tir, il a pas sorti. Trop lent je pense. Voilà, il va prendre un carreau. Hop là. Faut que je triche un peu avec ça. Attends, on va le gratter avec ça sinon. Je repousse. C'est tendu de ouf, putain. Et voilà, shit damage. Ah putain. Shit damage, c'est-à-dire que je l'ai tué en gratte. Ma stratégie, elle a marché. En fait. Comme il n'y avait pas de ressources pour me piffer dans le dos ou bien quoi, je me suis dit je vais le gratter à l'infini jusqu'à ce qu'il reste un PV. Et ça a marché quoi. Sa seule strat c'était de esquive en fait. Et j'ai gratté aussi avec mes brave points en leur poussant quoi. Genre avec ça tu vois. Mais ça, ça coûte cher, hein, donc faut pas le faire tout le temps. Faut être strat, quoi. Oh. Heureusement que j'avais les ressources, quoi, pour le faire, tu vois. Mais vraiment, ça s'est joué sur la stratégie. Bon, là, je suis mort, tu vois. Là, je suis mort sur des mauvaises décisions, hein, tout simplement. Ouais bah je fais des combats assez sympas avec lui ouais. Là franchement tu sais pas sur qui parier quoi. Lui il profite de son agilité et moi des grosses patates quoi. Voilà, tu vois, il est esquivé. Donc, il a pas été con là. Le problème, c'est que j'ai plus qu'un PV là. Bon, je suis obligé de rester en arrière, sinon, il me gratte quoi. Je vais mettre au niveau 3. À la feinte. Ah, je l'ai eu. Full power up. Le carreau qui s'est pris. Ah, j'ai réussi à le back sur du mind pur. Hein. Ah putain. Ah, ce round était rigolo. Hein. Hey, hey, hey.
Bah, t'as vu ce que ça fait, c'est Siegfried Power Up niveau 3, hein. Il reste pas longtemps, mais si tu te fais toucher, alors... Dis-toi, il a pris 4000, hein, à peu près, hein, sur un hit, hein. Oh, putain. Ouais, mais sur la bêta, c'était mon préféré, Siegfried. C'est le nouveau perso de la nouvelle version du Grand Blue. Et Siegfried, c'est vraiment un putain de main pour moi. C'est un de mes préférés du jeu. Hein. Mais après, comparé aux autres persos que je joue, c'est un... C'est un bon gros tir. Hein. Ouais, ouais, il est haut dans la tier list quand même. Hein. Il est même plus fort que Nermaya. Hein. Mais après, niveau match-up, je sais pas pour qui c'est. Hein. Mais déjà, Siegfried... il va galérer contre les persos agiles. Mais... Même au corps à corps, contre Nermaya qui est rapide, j'ai des outils, quoi. Déjà, j'ai un super anti-air. J'ai la lame de feu. Bon, voilà, quoi. Et j'ai un Shoryuken aussi, donc... dire, avec ça... Le perso, il craint pas beaucoup de match-up, hein. Oh, y'a peut-être Meteora qui l'emmerde. Eh, je fais pas souvent, ça. Mais tu vois, en combo, damage reduce, bof, quoi. Ça lui enlève un bref point, ouais. Voilà, l'anti-air. Merde. Ah merde, j'étais en combo limite, c'est dommage. Avec elle. Et si là tu restes un PV, que t'as 50%, tu balances ça. Garanti. C'est tu peux pas réagir à ça. Le mec qui dodge ça, il a des réflexes d'ultra instinct. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand j'étais en training. Le croissant de feu, tu le fais en version ultimate quand là tu as un PV. Garanti. Oh, j'aime pas Nermaya, mais il joue proprement. Ça. Hey. Ah, c'était beau ce qu'il a fait. Dommage que ça n'a pas marché. Ouah, le réflexe que j'ai eu. Je sais pas si t'as vu, mais c'était trop beau ce qu'il avait fait, le gars. Puis moi, sur la fin, j'ai un réflexe de ouf aussi. Ouah, putain, on méritait de gagner tous les deux. Ça, c'est beau. Ah, le séisme là qui a battu son dragon, ça fait plaisir. Hein. Putain. Ouais, bien joué ça. Ouais, bien joué. Ah, je pensais punir, bah non. Ah, mon entière. Pas assez loin.
Allez! Ah, ça pisse pas, hein. Ah, y'a vu. Putain, il déchoppe. Alors, j'ai pas tenté de chop depuis 3000 ans. La vache. Ah, il est passé dans le dos. Ouais, sacré jeu, hein. Ça se tape, là, hein. Putain. Très très bon. Hey. Connais des combos aussi, hein. Dragon, bien sûr. Ouais, je suis en niveau 2 là, regarde le chaos que je vais y mettre. Non, je monte pas là, je suis dans le lobby. Ah, j'ai pas tué. Je suis dans le lobby en mode casual match, hein, donc là je monte pas. Parce que je trouvais plus de gars en classé. Vaut mieux se connecter vers 20-21h pour trouver des gars en classé, sinon ça va tout le temps laguer. Hein. Ah bah, il est stylé le gars. Hein. Franchement. Il a une armaya, mais pas une armaya de gogol. Donc c'est bien. Fait des trucs bien avec. Ah, je félicite parce qu'il joue bien. Ouais, mais le mec il a du niveau en face, donc c'est bien. Voilà, si je me trompe pas, il y a 5-4 ou 6-4, je sais pas. Parfois tu trouves un gars, t'aimes bien jouer avec et au pif et tu joues une heure avec quoi. Ça arrive souvent dans les versus. Hein. Ah, il est pas quoi. Je vais l'attendre du coup. Ah, c'est bon. Ah. Tiens, faut toujours un peu de fair play, hein. Putain, les gars qui te défoncent alors qu'ils voient que t'es pas connecté, c'est des connards. Hein. Si t'es en cassé, à la limite, je comprends un peu, tu vois, mais... En casual match, non, jamais tu fais ça. Hein. Bah non, mais c'est le fair play des gens, quoi. C'est tout, hein. Bon, là, il m'a déboîté, hein. Hey, hey, hey. Ah, il a arrêté son entier, du coup. Je vais pas vers ça là. T'as vu, il est bien le coup de séisme là avec l'épée. Parce que comme il fait un petit bond avant de planter l'épée au sol, ça fait que le mec, il fait des anti-air et il est rate.
Parce que ça retarde le délai de la pièce entière. Hey! Mashup qui passe pas. Merde. La chape elle est pas passée, bon. Let's go. Believe in victory. Battle one. Engage. Engageant. Oh, j'ai une chope qui est passée, mon gars. Enfin. Ah merde. Ça a l'air de lag. Chop. Ouais, il rematche pas là. Je crois qu'il y a senti que ma quoi elle est pas ou la sienne, hein. C'est un des deux, hein. Oh, c'est pas, elle fait déjà un bon stream là. Oh wow. Comment je fais pour taper un message, je sais plus. Ah non, il s'est barré. Bon, ça devait être lui, hein, qui a... il s'est barré parce qu'il n'y avait plus de coach, je pense. Nuka. Attends, on peut jouer en classique ici. Vas-y. Ah, c'est pas mal ça. T'attends un Gus qui vient sur la bande, tu vois. Et en attendant, t'attends un match cassé. Ah, c'est pas mal ça. Faudrait que j'y pense. Ouais, je me suis dit pourquoi il y a des bandes vertes solo, tu vois. En fait, ça sert à ça. Ouais, c'est cool. Mais des gens classés à cette heure-là, c'est chaud, hein. Pas trouvé. Bon, c'est pas grave. Combien de temps j'ai streamé Grand Blue là? 1h10 à peu près. Hein. Ah, écoute, je vais attendre 5 minutes. Et puis voilà. Hein. Faut un petit jeu Mega Drive après, je sais pas. On verra. Peut être sympa de streamer un jeu Mega Drive. Genre un petit Shinobi là, pour se remettre dans le bain. Shinobi, c'est trop cool, hein. Bon, on va attendre quelqu'un qui se pointe, quoi. En 4-5 minutes, on verra. Shinobi. Sacré jeu, Shinobi, hein. Je crois que celui-là, je l'ai fini des...
Ça va être le jeu miracle que j'ai le plus signé de ma life, hein. Truc de fou, hein. Une de mes consoles favorites, ouais. Dreamcast, Mega Drive. On est beaucoup à l'aduler, hein. Moi, c'est pareil, hein. À ma première console, non. Ma première console à moi, c'est la Play 1. Puis la Dreamcast qui a suivi. Mais la première console à laquelle j'ai joué qui était à la famille, hein, tu vois, c'était NES. Mais la NES, j'ai pas eu longtemps. Et après, c'était la Mega Drive. Ah. Ah bah tiens. J'en vois pas souvent des Siegfried, hein. J'en ai croisé, mais pas souvent. Après, il y a des persos que j'ai jamais croisés. La plupart des persos que j'aime bien jouer, je les croise pas. Ah, il y a le skin spécial. Hein. Ah, on a la musique du Mirror Match. Là, on est en classé du coup. Ah, je suis pas. Putain, je pensais tuer quand même. Ouais, fais de la merde. Ah oui, oui. Ouais, c'est un mort ce coup. Et un bricable. Pas l'habitude qu'on utilise contre moi. Ah yes, j'ai gagné. T'as quoi sorti? Faut que j'évite de me faire arnaquer. Hein. Merde. Dragon, oui. Hey. Ah, je me suis merdé, putain.
Mais ce que j'ai jamais compris, pourquoi SF n'utilise pas le power up. Ah bâtard. Ah, je savais. Le frame trap. Je savais qu'elle avait un ventre bourré. Et voilà le job. Après, il n'utilisait pas tous les points forts du perso, donc forcément. Ah oui, mais il passe rank S. Hein. Ou 2, je sais plus. J'ai. Ouais, elle sortait. Moi, j'ai eu. J'ai eu 2-3 ans de retard à chaque fois. Hein. T'es. La Saturne, c'est rare les gens qui l'ont eu. Hein. À mon époque, il y avait des débats. Et ceux qui avaient la Saturne, ils se sentaient un peu privilégiés, tu sais. C'était un peu la console des gens qui étaient riches. Comparé à ceux qui avaient une, entre guillemets, pauvre PS1. Alors que dans les faits, ouais, la Saturne, en fait, elle a autre chose à proposer que la PS1. Mais si tu devais t'en cantonner que juste sur notre territoire, ben, c'était mieux d'avoir une PS1 qu'une Saturne, en fait. Hein. Parce que à notre époque... Si t'avais pas de jeu import, c'était pourri, hein. Dire une Saturn Europe. Tu vas jouer à quoi dessus, en fait? T'avais pas vraiment de jeu dessus à l'époque, tu vois, donc. Bon, stop qui, là? Grand Bourou, Golan Bourou. Ok. J'ai une Anila à affronter. Ah oui, nous deux, et on passe en caisse. Hein. On pourra arrêter le stream, ce sera pas mal. Parce que là, je suis en classé. Hein. Ah, j'entends bien le bruit de la flotte dans mon casque. Là. Ah, j'adore faire ça. Ah, le carreau qui va prendre là au niveau 3. Counter. Counter niveau 3, il est mort. Mais voilà. C'est comme ça qu'on joue Siegfried, les gens. Pourquoi ils utilisent jamais le power up? Ça te consomme un peu de vie, mais c'est rien, quoi. Oh là, là, je peux le mettre gratos, je le fais, hein. Hop. Oh, regarde la vie que j'arrache, là, au niveau 2. T'as vu ça? Regarde. Plus 1% de dégâts gratuit. Avec la barre au niveau 2. Je vais vaporiser sa vie. Et les gens qui jouent Siegfried. Ah bah je suis passé S, c'est bon. Les gens qui jouent Siegfried n'utilisent pas le power up. Tu sais quand il sert son poing là, avec une aura rouge. Bah c'est ça. Ça là. Voilà. J'ai un bonus de dégâts quand je fais ça. Oh, regarde les dégâts, hein. T'as vu sa barre de vie? C'est ça, c'est Siegfried, sa force. Et la barre, elle dure longtemps, en plus. Hein. Y'a qu'un niveau 3 qui dure pas longtemps. Bien sûr, l'ombre...
C'est ingardable ça. Coup de la triche un peu, hein. Le mec, j'ai mis 70% de vie, hein. Mort. Bon, ben je l'ai pulvérisé le gars. Et regarde, je suis passé S. Nana-chan, elle est rank S là, ça rigole plus. Hein. On déconne 0-1. Ah putain, j'adore Siegfried. Hein. Je vais passer en... Je vais passer en Luna Lu. Merde. Attends. Passer en Luna Lu. Et je vais laisser que Siegfried. Voilà. Oh, vas-y, si on tourne encore quelqu'un, on le fait, puis on arrêtera là. Oh, ça va, pas mal de wins ce soir. Hein. Et un rush kit, un beau. Un mec qui a bien rush kit, ouais. Ah, le bâtard. Franchement. Il y a des gens comme ça. Hein. J'ai deux consoles flop, du coup. Ouais, Dreamcast, mort prématuré, ça m'a fait mal au cœur. Hein. Surtout que quand j'ai eu Dreamcast, quand j'allais dans les magasins, pour fouiller des bacs d'occasion Dreamcast, c'était tout le temps le... Mais genre comme Picsou quand il plonge dans sa, dans son coffre-fort. Hein. J'étais en mode comme ça. Hein. J'ai vécu ça 3-4 coups seulement, tu vois, parce que... J'avais que 2-3 sommes d'argent par an. Mais dès que j'avais... Dès que j'avais une petite, un petit pécule, ben, je faisais chier mes parents ou mon grand frère pour qu'ils me menaient à la boutique. Et une fois, je me souviens, c'était deux jeux achetés, le troisième offert en occasion. Je m'en étais pris 6 d'un coup. J'avais été jamais aussi heureuse de ma vie, quoi. Bah non, on savait pas qu'elle allait être prématurément morte. Bah c'est Shenmue hein, qui l'a mis dans la merde. Hein. Ils ont eu trop d'ambition sur Shenmue. Hein. Ils ont fait un jeu qui aurait dû sortir sur une console... sur une console post-Dreamcast, quoi, une Dreamcast 2 par exemple. Et non, ils l'ont sorti quand même. Ils avaient mis leur cœur, leur budget dessus. Ils auraient dû le reporter sur une autre console, mais non. Ça a créé la ruine, hein. Sorti trop tard chez lui aussi, hein. Ils ont fait des graves erreurs de marketing, en fait. Mais, c'est pas la qualité des jeux, ni la qualité de la console, au contraire, même. Elle avait pas mal d'innovations, hein. Moi, je me souviens, je sais pas, on... 23, 24 ans en arrière, peut-être 25. J'avais allumé la chaîne. À l'époque, c'était câblé, c'était TVS. J'avais allumé la chaîne de mes parents sur câble payant. C'était Game One, tu vois. Et il y avait déjà Marcus à l'époque qui faisait les premiers let's play. Et dans ses premiers let's play, il avait présenté Phantasy Star Online sur Dreamcast avec un clavier. Et genre. Ah, première fois que j'en vois une de la diva. Et genre, le fait que Marcus jouait à un jeu console avec un clavier, ça m'a choqué, tu vois. C'était innovant, c'était la première fois que je voyais ça, quoi.
Et il parlait avec des gens dans un jeu. Et j'avais jamais vu ça avant. Et c'était sur Phantasy Star Online 1. C'était un truc de fou. Et le mec, il est quasi S plus, hein. Ouh. Bah mon premier main, c'est lui en fait. Le perso qu'il a, le gars là. C'est la première fois que je le vois en ranked, hein. Merde. J'ai gagné. Le mec il est S plus, hein, quasiment. Il va se barrer, je pense. Ou pas, je sais pas. Chouchou Rocket, je faisais des puzzles pour mon frère quand il était à l'école, puis lui il m'en faisait aussi. On avait chacun notre carte mémoire. Et on créait des puzzles l'un après l'autre, c'est pour... Genre si je finissais à 5h les cours et lui à 4h, bah il se connectait à Chouchou Rocket à 4h. Il passait une heure à faire mon puzzle et quand je rentrais chez lui, j'essayais son puzzle quoi. C'était trop bien, hein. Création de puzzle sur ce jeu. Ah, c'est un combo? Ah, je savais pas. Ah ouais, c'était trop bien les Chouchou Rocket, hein. Ah merde, mon anti-air. Hein. Oh, c'est quoi ce combo? Oh. Putain, il est loin. Ouais, non, mais là... What the fuck? Putain, on va te remettre dans le coin. Je joue le match-up, ok. Ah, il a 4 shots de backdash. Putain. Putain, alors lui, il est vraiment fort. Hein. Oh. C'est abusé, hein.
Pourtant, j'ai le match-up normalement. Believe in victory. Battle one. Engage. Tap, tap, tap. Putain, mais j'en peux plus de ce combo. Ah merde. Hey. Ah, c'est moche, il fait passer ton 60. Il est fait sur une touche. Du coup, ça fait pas très mal. Et normalement, ça arrache. Mais ouais, le perso, il y a dégâts divisés par 2 quand tu fais le 360 sur une touche. Ce qui est normal, hein. Ouais, c'était le thème de la diva. Hein. Assez rare. Alors, celui qui est allergique, Souls like 1. Pour moi, Dark Souls, c'est pas un jeu de survie. Hein. Assassin's Creed, de nouveaux genres, des catégories de jeux. Attends, on va se quitter là. Hein. Fait déjà pas mal de versus là. Je vais remettre un autre jeu. Alors, deux jeux comme. Attends, mais. Comment ça en attente de combat? Je me suis barré de la borne. Mais non. Mais what the fuck? Tout ça pour affronter une Narmaya. En plus, elle est S plus. Ah non, Belial. Mais c'est pas moi. Il se passe quoi là? On a un combat S plus et c'est pas moi qui joue. Believe in victory. Battle one. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah, c'est rapide là. Ouais, et là, faut du skill pour commenter ça. Ah ouais, il a pas le comeback. Ah, il a déjà fait, hein. Ouais, le pif trouvé. Ah, ça revient normal. Ok. Touche X confirme pour la Fury Max. Ça devrait tuer, hein. Ok. Vas-y, on va voir si je suis fort pour commander, hein.
Alors, ça cherche une ouverture. Oui, ça a chargé avec un dash. Oh là, la réponse a été totalement trouvée. On a trouvé une shop. Là, on fait le combo. On pousse en carry avec le Reka. Oui, là, ça a droppé le combo. Malheureusement, Benya n'a pas profité pour sortir du coin. Et là, il pense. Il a trouvé une confirme. Oui, ça claque direct la super. Magnifique. Les deux joueurs se rendent des coups. Bla. Ok, attends, je vais faire Rupture. Ouais. Ok, ça marche. Toda. L'entière trouvé avec un timing parfait. On a utilisé un Raging Chain pour amplifier un peu les dégâts. On court, on a trouvé le coin en rajoutant une shop. Bien sûr, on utilise le Reka. On optimise les combos. On a utilisé tous ces coups spéciaux. On garde un peu de barre au cas où. Ouais, là le Benya meurt sur une prochaine touche. Il a droppé son combo en neutral. Oh oui, l'esquive. Impeccable. Ça a tenté une super en entière, mais ça a mangé le cross-up sur la fin. Incroyable. Voilà, voilà. T'as, ils sont bons les deux, hein. On va voir ça. Ça se regarde, ça fait dash L, ça cherche. Ok. Ok, là, punition ratée, la confirme a bien été trouvée sur un lot. On continue sur le neutre, oui. Là, un petit mix. Là, ça fera un entier counter, attention. Ok, punition gentille, mais par contre, là, on a trouvé une ouverture pour continuer à pousser dans le coin. Bien sûr, on utilise le juggle avec un breakpoint. Sur super, voilà, 50%, on a mis la max. Let's go, on a changé de stance pour pousser mieux dans le coin. Attention, le joueur là, en KO. En KO press avec les rushs L. Je rappelle, c'est la plus 6 frames, donc c'est pas mal. C'est ça, regardez un peu. Paf, une ouverture trouvée. Là, on est déjà dans le coin du côté de Sureur qui cherche des solutions en neutral. Il a utilisé un ultimate pour créer une surprise. Oh oui, là le combo est fait, normalement ça doit être mort s'il ne droppe pas. On utilise la super pour confirme. Et terminer le match. On concrétise le round, c'est bien. Balle de match pour Ankao. Ah, il a droppé son combo, dommage. Là on a utilisé un slash rapide. On a décalé pour ouvrir un peu. Voilà, oui, là le combo confirme, classique. Ça boit un peu trop les lots, je trouve, d'un côté. J'ai l'impression que Solar a bien compris la stratégie, il va devoir innover un peu plus. Oh là 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 là, magnifique la TP dans le projo pour punir directement et aller sur sa gueule. Et bien sûr, là maintenant, on utilise un Reka et on change de stance pour optimiser le combo et qu'on est dans le coin. On met la max ultime, le combo est magnifique. C'est sublime. On a tenté un shiny avec un backdash de peur de la super de Anka, mais il ne l'a pas fait. Il a tenté le contre à la fin, mais Sureur a eu le read et a chopé dans le contre. Magnifique. On continue, on continue. Alors là, on cherche une ouverture. L'ouverture a été trouvée. Dégâts pas fou, mais qui a eu le mérite de charger la barre du super. Là, la Narmaya continue. Oui, là, c'est trade à l'avantage de Narmaya parce que ça donne l'avantage positionnel. Oh là là, l'instant dragon incroyable. Malheureusement, ça a été gardé. Le pilou face qui a été bon du côté d'Ankao. Oh là 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 là, la TP, ça a encore lu le projectile. Ça l'a puni instantanément avec le Reka plus le Raging Strike pour mettre dans le coin. Et ça a tenté un chimie. Ça a terminé sa dernière ressource pour tenter une shot en passant dans le dos. Et ça a fait un crossdown des enfers. Ce qui a donné le round et le match avec un incroyablement retournement de situation. Voilà, voilà. C'était une nation en mode Ken Bogard. Voilà. Voilà, voilà. J'ai tenté de commenter pour la première fois. Ah bah voilà, j'avais spectaté les deux là, quoi, c'est ça. Bon bah on va changer de jeu du coup. Ouais, c'était la première fois de ma vie que je commentais un match, hein. Un truc de fou, hein.
Mais ils sont bons les deux là, putain, ça vaut le coup, ça valait le coup de les. Ça valait le coup de les mater. Allez, let's go. Putain, mais les rides de malade qu'ils ont eu. Je sais pas si tu te rends compte, hein. Ça ressemblait à un match de tournoi, hein. Je pense que les gars là, ils me défoncent, hein. Bon. Eh ben, je vais peut-être. Ouais, je trouve un petit jeu, mais vraiment chill chill là, parce que. On a été à fond là.